Alors. Bienvenue, benvenuti. Trois journées du colloque international Piranesi 300, co-organisé par la Bibliothèque nationale centrale de Roma, con il Centro Studi sull'immagine e la cultura di Roma, la British School et Villa Medici, vient de s'achever cet après-midi. Grâce aux interventions passionnantes des participants qui nous ont rejoints depuis l'Europe, le Brésil, le Japon, les États-Unis, ces journées nous ont permis de réfléchir à nouveau sur l'héritage de la pensée et de l'œuvre de Giovanni Battista Piranesi, 300 ans après sa naissance. Au nom du directeur Sam Tourdze, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, je tiens à remercier le professeur Alain Schnapp de nous avoir fait l'honneur de venir conclure cet événement scientifique avec une conférence au titre suggestif « Piranesi, ruines des ruines », qui s'inscrit dans le cadre de ses dernières recherches et de son ouvrage monumental, « Une histoire universelle des ruines, des origines aux lumières », qui sera bientôt disponible et traduit en italien chez Inaudi. Le professeur Schnapp est l'auteur d'un vaste corpus qu'il serait impossible de résumer ce soir pour l'introduire, portant notamment sur l'archéologie, l'historiographie en archéologie, l'histoire de la Grèce ancienne, l'étude de l'urbanisme dans l'Antiquité. Il a été à l'origine de la création de l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, qu'il a dirigé de 2001 à 2005. Il a été professeur invité dans de nombreuses institutions et universités, Princeton, l'Université de Naples, de Pérouse, Cambridge, Stanford, Heidelberg, avec mes collègues et co-organisateurs du colloque Piranesi 300, donc Claire Hornsby et Mario Bevilacqua, qui est ici ce soir. Nous tenons encore une fois à le remercier. Je lui cède immédiatement la parole. Je remercie le public ici ce soir. C'est un événement pour nous de pouvoir faire ceci en présence. C'est la première conférence que nous faisons, disons comme ça, après cet enfermement. Et je remercie aussi le public qui nous suit donc en ligne grâce au webinaire. Et voilà. Merci donc de votre invitation. Merci à ceux qui ont pensé organiser ce colloque et à vous-même d'être venu. C'est le premier colloque de ce type auquel je participe. C'est une expérience un peu étrange, mais riche dans la diversité qui vient d'être évoquée. À propos du thème qui nous rejoint, je voudrais affirmer, vous le verrez à ma présentation, que je ne suis pas un piranésien. J'entends par là que j'ai entendu au cours de ces trois jours des érudits venant de toutes les provinces de la science parlant du maître. Et moi, je m'y rattache un peu de l'extérieur par des voies de traverse, parce qu'il m'a semblé que si on tente de construire une histoire intellectuelle de l'archéologie et de la sensibilité au passé, Piranesi joue un rôle tel qu'on ne peut y échapper. Pourquoi ? Parce que probablement les idées qu'il matérialise dans son œuvre, ces idées mêmes correspondent à plus qu'à l'ère du temps, à un mouvement de fond qui bouleverse les pratiques antiquaires et qui d'une certaine façon reste enraciné dans notre conception contemporaine des ruines. J'ai été très heureux d'entendre cet après-midi plusieurs collègues établir un lien entre les œuvres de Piranesi et, les œuvres les plus contemporaines, en montrant comment la façon dont Piranesi a dynamité l'ancien système descriptif, à la fois par son œuvre graphique, mais aussi, par son œuvre littéraire, ses préfaces, ses défenses, et surtout cette invention géniale qu'est le système de renvoi de ces planches archéologiques, que personne, le système était connu avant lui, mais personne n'en a fait un instrument pédagogique aussi roborant et aussi, disruptif que lui. Donc, je prie les Piranésiens de cœur et de savoir d'excuser ma certaine naïveté qui ne manqueront pas d'apparaître à leurs yeux avertis. Je vais tenter de m'approprier une partie de leur savoir, mais évidemment, je ne suis pas de taille face à une production qui, depuis le fameux Piranesi et les Français, est vraiment galopante. Alors, j'ai utilisé ce titre, « Ruines des ruines », parce que c'est un clin d'œil
à la Pharsale de Lucain, qui à un certain moment se termine par ces mots latins, Etiam periere ruine. Les ruines elles-mêmes ont péri. Donc il y a un degré zéro du rapport des hommes avec le passé, c'est quand les ruines elles-mêmes ne sont plus, comment dirais-je, un élément de rappel de ce qui est arrivé. Et j'arrive fait dire d'ailleurs au Père Ubu, nous avons tout détruit, mais nous avons oublié de détruire les ruines. Et d'une certaine façon, Benjamin Perret l'exprime avec, dans un texte un peu oublié et qui pour moi est fondateur parce qu'il répond mot à mot à la définition de Simmel. La définition de Simmel est celle que tout l'Occident philosophique a acceptée, la ruine et le retour de la culture à la nature. La nature reprend ce qu'on lui avait enlevé. Et de ce travail, disait Simmel, naît la poésie, naît ce sentiment d'incertitude de l'homme face aux ruines. Benjamin Perret, à mon sens, n'avait pas lu Simmel, mais l'attaque est directe. L'homme pagure, hein, pagure, ce sont ces petits coquillages qui s'enfilent dans la coque d'un autre, hein, comme les coucous dans le monde des oiseaux. L'homme pagure ne voit dans la vie que la ruine, où cacher l'animal qui se défend d'être resté. Mais l'animal s'est transformé. De tigre, il est devenu loup, et le loup s'est mué en chien. Le chien, issu de chien, reconnaît à peine les ruines du loup. Mais celles du tigre ne sont pour lui qu'une empreinte dans le sable, ce sable dont il a oublié les ruines, image dérisoire de celles qu'il méconnaît. Donc là où Simmel disait « les ruines, c'est la conscience du passé », c'est la communication entre les générations. Benjamin Perret cherche à abolir cette idée. Et il énonce, et nous allons voir que cette énonciation est intéressante, que le combat pour passer d'une génération à l'autre est un combat extrêmement difficile. Et que donc la métaphore animale qu'il utilise vise à casser l'idée de la, je dirais, des ruines comme une donnée immédiate de la conscience. Les ruines sont un travail sur les choses, et de ce travail naît leur conscience dans leur différence. En parlant de Piranèse aujourd'hui, je suis dans une perspective strictement occidentaliste. Si nous allions regarder du côté des Chinois, ou du côté de l'Inde ancienne, ou du côté même des Babyloniens, la définition des ruines est totalement différente. Nous pourrons peut-être en parler ensuite. Mais dans ce parcours, je commence avec le temps des monuments. On en a parlé, l'un des rapporteurs en parlait tout à l'heure, monumentum, monere. Mais monumentum, c'est aussi monstrum, rappelez-vous. Là encore, l'ambiguïté. Monere, c'est avertir. Mais monere peut se transformer à quelque chose qui avertit tant qu'il est une monstruosité. Et c'est dans cette dialectique ambiguë entre les deux significations du radical monere, il y a quelque chose qui illustre, à mon sens, la conquête du temps oublié, des temps oubliés, et le travail piranésien. Je commence par cette gravure de Dolus Magnus, une gravure qui a été exécutée à Rome quand, chassé par la réforme de la Suède, son frère et lui, l'archevêque, se retrouvent au couvent de Sainte-Brigitte, en face du palais Farnèse, et composent l'histoire illustrée du Nord, la première fois que on regarde de face les antiquités nordiques. Et vous voyez que le code est celui de la pyramide, c'est-à-dire il y a des espèces de lettres dans le paysage, et ces lettres sont autant de pyramides qui symbolisent quoi ? Qui symbolisent les mégalithes. Mais on ne voit pas les mégalithes comme les mégalithes, on les voit à travers le prisme de la ruine par excellence qui est la pyramide. Entre cette approche, que j'appelle l'approche disruptive, que nous allons voir se développer, je dirais, en dehors du monde romain, du monde grec, entre cette approche et l'approche classique, qui est quasiment contemporaine, vous avez toute une dimension différente. C'est-à-dire que Saint Jérôme, là,
se promène dans un monde idéal de ruines recomposées. On peut en identifier presque chacune, identifier chacune d'entre elles. Elles forment un ensemble, un compendium de l'histoire de Rome et ce que l'apôtre décrypte à travers l'histoire de Rome, c'est l'histoire du monde et celui à la fois de son renouveau et de sa sénescence. Personne mieux que Coxi ne l'a exprimé, toujours dans le même champ, dans la mesure où vous voyez ce paysage de ruines défaites et le vieillard qui est à la fois celui par qui le temps arrive et celui sur lequel le temps passe. Cette image ambiguë de ce qui arrive aux choses et de l'équivalence entre la décrépitude des êtres et la décrépitude des édifices et du monde matériel. Et donc, là encore, il y a une alternance, puisque à un moment où ce genre de dessin ou de gravure apparaît, pour la première fois, des antiquaires, comme Luca de Herre, regardent des monuments non romains. Vous savez qu'il y a tout un débat à cette époque. Est-ce que Stonehenge, vu qu'il s'agit d'un cercle, est un temple romain ou pas? La majorité des antiquaires pensent que Stonehenge est un temple romain un petit peu périphérique. Mais il est clair, dans ce dessin de Luca de Herre et dans son travail ethnologique, que le site de Stonehenge n'est pas pris comme un site qui appartient, je dirais, au champ culturel de l'Occident classique, mais à ce qu'il a précédé. Et ce lien entre observation du sol, excavation, compréhension d'une chronologie universelle, ce lien se met en place très précisément à la fin du XVIe siècle. Et le document qui me paraît appeler le commentaire le plus évident sur la construction d'un réseau d'interprétation qui permet d'extraire les objets du sol et une fois qu'ils sont extraits, de les interpréter, c'est la pyramide que le gouverneur de Holstein, élève direct de Melanchthon, Rantzau, fait élever dans son jardin en commémoration de la découverte de la tombe des premiers rois chrétiens du Danemark. Et comme vous le voyez sur cette pyramide, hein, Anno a principio mundo, a diluvio incoato, a Christo Deo nato, a nato Mahometa. A nato Mahometa. Pour la première fois, à ma connaissance, dans le comput occidental, à la faveur de la découverte par un antiquaire des tombes des rois du Danemark, s'énonce l'idée que l'histoire des hommes, c'est un réseau de chronologie comparée et que l'observation du sol est un outil pour le construire. Alors vous me direz, il n'y a pas que cette voie rationnelle, et nous l'avons retrouvée, nous l'avons entendue dans l'œuvre de Piranèse, la dialectique entre le rationalisme et, je dirais, les fondations des bonnes humains et l'imagination de leur superstructure. Au même moment, enfin quelques temps après, une centaine d'années après ce texte, fleurit une poétique des ruines dont nous retrouvons chez Johann Oswald en 1673, en 1673, un écho. Vous voyez ces monuments romains et au milieu une fouille. C'est déjà le thème de la fouille apparaît, à ma connaissance, dans la gravure au début du XVIe siècle. Il faut très longtemps pour qu'il apparaisse, je dirais, comme une pratique figurative. Et vous voyez le groupe de fouilleurs avec une personne dénudée, la magicienne qui indique où sont les choses. Les ouvriers fouillent, vous voyez qu'au bord de la fouille, il y a des coupes, etc. Mais la chose la plus extraordinaire de cette composition, qui par ailleurs n'est pas un monument d'art, c'est ce petit personnage. Voilà. Il faut avoir l'œil aguerri pour le voir. C'est le fantôme. Le fantôme est là pour dire où sont les choses. Si je vous montre cela, ce n'est pas pour disserter sur les rapports entre l'imagination et le passé.
C'est pour vous montrer la tension qui traverse, au XVIe et au XVIIe siècle, la représentation de l'acte de la découverte, et notamment de la découverte des monuments. Donc, l'exploration du sous-sol peut prendre des voies rationnelles. Je vais trouver le premier relevé microstratigraphique chez Jean Aubrey, le plus fameux antiquaire de l'Angleterre du XVIIe siècle, qui vous donne un plan côté de tombe. Et vous étonnerez avec moi que ce type de pratique naisse à la périphérie, au contact de ce qui était la romanité, mais plutôt de l'autre côté du limès, qu'à Rome ou dans les grandes villes d'Occident qui, à l'époque, n'ont pas d'érudits, qui pratiquent une archéologie de terrain avec un support graphique. Ce genre de pratique, vous les retrouvez chez les antiquaires allemands. Voilà un paysage de ruines qui n'a rien de ruine classique. C'est un paysage de l'Allemagne du Nord avec les mégalithes, avec les tumuli et avec les fouilleurs. Et si vous cherchez au même moment la gravure d'un fouilleur en majesté, ben vous la trouvez dans ce recueil du début du XVIIIe siècle où le gigantesque fouilleur, armé de sa bêche, excave le sol, et il y a les vers d'Horace qui vous disent que tout ce qui est dans le sol, un jour, donnera sa date, son moment de création. Donc petit à petit, cette métaphore a trouvé une place visuelle, et cette place visuelle, elle précède l'œuvre de l'œuvre graphique de Piranèse. Et je vous en donne très rapidement quelques exemples. Le premier, par exemple, c'est le voyage de Fourmont en Grèce. J'ai pris trois vignettes, 1720. Pourquoi il est intéressant le voyage de Fourmont en Grèce? Parce qu'à l'époque, personne n'a relevé les antiquités de la Grèce. Les voyageurs du XVIIe siècle ne donnent que quelques relevés extrêmement insuffisants. Fourmont donne 250 relevés dans l'un de ses voies. Donc ce sont des cartes. Ce sont des relevés de monuments, c'est son frère. Ce sont des mises en scène, je dirais, plastiques de l'espace méditerranéen, mais il n'y a pas de construction, enfin, d'étude systématique du monument en tant que tel. L'observation rapprochée, qui s'oppose au regard éloigné, n'est pas là présente. Et par contre, on la retrouve, cette observation rapprochée, eh bien, dans la vision des mégalithes. Ça, ce sont les mégalithes de Carnac, relevés par un antiquaire breton, le président de Robien, début du XVIIIe siècle. Ou ce sont, au milieu du XVIIIe siècle, des mégalithes relevés par les ingénieurs du roi à la demande du comte de Caylus pour son projet, de ce que nous pourrions appeler une carte archéologique de la Gaule. Donc voici l'aspect rationnel. Mais là encore, à l'intérieur de cette rationalité, on voit poindre quelques éléments d'inquiétude. Charles Bertram est un célèbre antiquaire anglais compromis dans des affaires peu claires de faux et de vente d'objets. Il émigre au Danemark vers 1750 à peu près. Et il rédige un rapport des antiquités danoises. Et regardez cela. Voilà les minutes. Et là, pour la première fois, en quelque sorte, la troisième dimension est présente dans le système de relevé. Je ne vais pas vous dire que c'est du Piranèse, mais là, l'intention dévoilée par cette technique de relevé, qui n'est pas pratiquée par les antiquaires, qui s'oppose absolument à la technique très plate de Fourmont que je vous présentais il y a un moment, elle irradie dans les antiquités locales. Et à la manière de Piranèse, le commentaire pierre à pierre de ces mégalithes joue son rôle. L'ambition de ces antiquaires est de faire parler les ruines. Et le concept de ruine parlante, il est tellement fort chez Piranèse et qu'on a l'impression qu'il l'a inventé. Il était présent bien avant chez Charlton, par exemple, qui exprime
on a dans des mots, avec des mots piranésiens, nous allons le voir, ce que, le rapport qu'il y a entre l'intelligence des monuments et la tradition qui permet de les interpréter. Il est donc bien vrai que les monuments eux-mêmes sont sujets à l'oubli, même quand ils subsistent. Et cela quand ni les écrits des hommes qui vivaient à la même époque ou guère loin de leur construction, ni une tradition non corrompue n'ont contribué à leur donner vie. Dans de telles circonstances, ils ne sont guère que des objets morts, soumis aux croyances populaires ou l'occasion de fables plutôt qu'une archive de l'Antiquité. Donc c'est un médecin rationaliste qui vous explique que le tissu même du monument, il est fait d'une tradition. Et que retrouver cette tradition, c'est pleinement exercer un métier antiquaire. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur des images que vous connaissez tous par cœur et qui sont revenues en plusieurs occasions dans nos travaux, mais je voudrais insister sur le fait que non seulement Piranèse a une théorie de l'image, mais qu'en même temps, il met en place une vision de l'atelier du fabricant d'images. Il vous donne des plans roulés, déroulés, des papyrus qui imitent ceux de Pompéi et d'Herculanum. Il crée autour, dans sa description de son propre travail, il crée autour de sa recherche méticuleuse une atmosphère. Le projet des antiquités romaines, tel qu'il est défini, il est assez fondamental parce qu'il commence par insister sur les édifices eux-mêmes, ensuite, nel secondo et nel terzo, sur les monuments funéraires, et nel quarto, i ponti antichi. Donc, il y a dans son plan une idée de la caractérisation des monuments et des œuvres dans un plan qui est beaucoup plus dynamique que ceux des traités d'Antiquité. Regardez Montfaucon à la même époque, et même Caelius, vous ne trouverez pas une mise en ordre aussi soigneuse que dans le travail de Piranèse. Alors, cela a été présenté plusieurs fois, je n'insiste pas sur le problème crucial justement de la représentation de l'espace et du fait que, à la différence de ces antiquaires du Nord qui doivent tout inventer d'une certaine façon, lui, il a le bénéfice de la découverte de la forma urbis et donc d'un rapport de rationalité entre l'observable et l'observé. La pianta di Roma designata con la situazione tutti i monumenti antichi di quali in oggi ancora se ne vedono gli avanzi ed illustrata con frammenti di marmo della pianta di Roma. On a l'impression que c'est une réponse mot à mot au programme de Charlton. Et donc, c'est ce qui me permet de suggérer qu'il participe d'une prise de conscience générale de ce qu'est la pratique antiquaire. Mais Faucillon, je me référerai parce que je pense que son livre reste le livre clé qui a déplacé l'étude de Piranèse, une esthétique de la réception à une esthétique de l'interprétation. Faucillon citait déjà ce passage qui me paraît, je dirais, d'une clarté aveuglante. Ces monuments anciens, dont les uns sont d'un goût et d'un travail excellent, les autres médiocres, les uns nobles et majestueux, les autres capricieux et bizarres, unis à l'étude de la nature et des anciens, à l'étude de la nature, j'insiste, hein, nous avons beaucoup parlé du rôle de la nature et des plantes dans la structuration des ruines, unis à l'étude de la nature et des anciens et aux réflexions que j'ai faites sur les anciens usages et sur les modernes, donc ça c'est la sociologie, m'ont remis en état de composer différents ouvrages sans m'assujettir à l'ancienne monotonie et de présenter au public quelque chose de nouveau en ce genre. Ça, c'est magnifique, l'ancienne monotonie. En gros, je ne suis pas d'accord avec un système de relevé qui ne prend pas ses risques par rapport au monument. Le relevé doit être interprétatif et cette interprétation doit être justifiée. Si elle ne l'est pas, eh bien, cela devient monotone et c'est cette monotonie qui entraîne, je dirais, la désorganisation ou la mésintelligence. Je ne suis
pas le premier à citer Marguerite Yourcenar, mais je trouve que quand elle résume l'ambition piranésienne de cette façon-là, ça illustre tout ce que j'ai tenté de vous dire. Ces recherches antiquaires l'ont habitué à reconnaître dans chaque fragment antique les singularités ou les spécifications de l'espèce. Elles ont été pour lui ce que la dissection des cadavres est pour le peintre du nu. Alors ça, c'est cette image du rapport entre la ruine et le corps humain. Eh bien, elle est au cœur de l'expérience de la Renaissance depuis Vézal. Si vous prenez les planches de Vézal, vous verrez que chaque partie du corps humain est connotée avec une ruine. Donc la ruine est un peu, je veux dire, quelque chose qui associe le matériel et l'immatériel, mais les corps et les choses. Donc les plans différents que Piranèse nous propose ne considèrent pas seulement les objets dans un seul type de vision, planimétrique, ou la vision à vue d'œil, ou la vision en restitution, mais il construit un système, et ce système s'appuie sur les différents parts des éléments. En ce sens, il reprend une partie de l'héritage de la Renaissance, mais je dirais, il le stratigraphie, et c'est là que l'archéologue trouve, je dirais, son aliment. Il vous fait pénétrer à l'intérieur du monument, dans les composantes. Déjà Montaigne disait, les antiquaires ne comprenaient rien aux monuments anciens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas les observer et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont faits d'une série de dépôts. Et c'est pourquoi, disait Montaigne, je n'ai pas besoin d'antiquaires, je me débrouille très bien à les décrire moi-même. Quand il quittera Rome, il sera un peu plus indulgent avec les antiquaires. Mais si vous pouvez, dans le récit de voyage, on a l'impression qu'il anticipe des réflexions piranésiennes sur qu'est-ce qui fait la croûte, les parties, les segments. Et bon, je n'ai guère le temps de vous commenter ici chacune des étapes de la construction, déconstruction du principe monumental tel que l'entend Piranèse, avec cette volonté d'aller à l'intérieur du monument, ou d'excaver à l'extérieur, comme il le fait pour un certain nombre de monuments particulièrement saillants. Et vous voyez encore une fois que son regard est un regard, je dirais presque stratigraphique, dans la mesure où il compose et décompose chacun des éléments les uns par rapport aux autres. Alors, cet élément sur la Via Appia est peut-être le plus avancé, puisque à la fois il est une présentation des différentes composantes des rues anciennes, mais aussi une réflexion sur les différents usages. Donc il y a une vision stratigraphique et une vision fonctionnelle dans le travail il dénude, tout à l'heure on parlait, Marguerite Yourcenar utilisait le corps nu, bien, il dénude ce qu'il y a derrière la surface des ruines. Et peut-être, quand on regarde le sépulcre des Metelli et tellement d'autres, retrouve-t-on ce que Fessillon nous disait, avec efficacité, il accumule des pans de montagnes écroulées, et ses architectures naturelles semblent bâties des débris d'un cataclysme. C'est dans les convulsions de la nature qu'il trouve à s'exprimer. Les blocs taillés de la main de l'homme ont le même volume et la même solidité que les masses échafaudées par la nature. Donc et là, on retrouve Lucrèce. On retrouve le vers de Lucrèce qui dit « Et le monde ne devient, après la chute de tous les éléments, qu'une ruine dispersée. » Et cette force, elle tient à ses procédés. Alors, ils ont, depuis Faucillon, nous l'avons entendu au cours des conférences, cela a été précisé, mais ce passage de Faucillon me paraît rendre compte excellemment de la méthode de Piranèse. Les procédés de Piranèse pour présenter les monuments de Rome sont avant tout destinés à les montrer sous l'angle le plus frappant et de la manière qui impose le mieux qu'ils les fassent voir de biais sur un horizon très bas et dressant l'arête de leur saillant, que sa planche ne peut même pas contenir tout entier, qu'ils nous mènent à leurs pieds et nous forcent à lever la tête pour les apercevoir, qu'ils s'élèvent à une faible hauteur tout en restant près d'eux afin d'embrasser toutes les parties. Il semble nous contraindre à ne regarder qu'eux sans être distrait par les éléments secondaires.
On a l'impression d'une page de Chateaubriand, j'y viendrai tout à l'heure, dans laquelle Chateaubriand explique les problèmes d'échelle et, je dirais, l'approche multiscalaire de la ruine qui est nécessaire. En même temps qu'il dessine et qu'il mesure, en même temps qu'il étudie en technicien l'anatomie des monuments romains, le peintre qui sommeille chez ce Vénitien ne peut sans doute s'empêcher de les trouver plus beaux dans leur décrépitude, plus étrange et plus émouvant. C'est à la fois le culte moderne des ruines, mais la reprise de la poésie latine depuis Hildebert de Lavardin, le fameux vers d'Hildebert de Lavardin sur la splendeur de Rome, encore plus belle en ruine qu'elle ne l'était avant d'être ruine. Et les ruines parlantes, dont je vous parlais tout à l'heure, il les exprime, Wilton Ely l'a très bien commenté, de cette façon, je vous dirais seulement que les images dont ces ruines parlantes m'ont empli l'esprit ne se peuvent comparer à celles que je m'en pus former selon les dessins pourtant fort soignés que l'immortel Palladio a fait de ces mêmes ruines et que je gardais à jamais devant les yeux. Donc l'expérience, la vision optique, le contact direct avec les structures sont le garant de l'intelligence et sont le moyen de faire parler les ruines, au sens où Charlton disait qu'elles ne parlaient plus guère. Alors je m'achemine vers la dernière partie, nous avons vu un peu le champ intellectuel de la découverte du passé avant Piranèse, nous avons vu le parti qu'a pris Piranèse, et je voudrais maintenant, pour conclure cette troisième partie, m'intéresser à ce qui l'a influencé et à l'hérédité piranésienne dans le champ, qui est le mien, des études antiquaires. D'abord, le petit dessinateur qui regarde l'immense vase borghese me semble une illustration ironique du travail piranésien par Robert, en faisant du vase une montagne et en quelque sorte réduisant le peintre à un petit personnage d'accompagnement, on retrouve une partie de la discussion que nous avions ce matin avec Madame Medvedeva sur le rôle des staffages et la taille des partenaires. Il y aurait beaucoup à dire et on en pourra discuter quand vous voudrez. Mais, excusez-moi, je pense que... Alors, je suis prêt à accepter toutes les critiques. Je pense que Piranèse n'avait jamais lu Boulanger. Le livre de Boulanger n'est paru qu'en 1756 et il sentait tellement le soufre que très peu d'exemplaires en sont arrivés en Italie. Mais j'ai l'impression que quand je lis Boulanger, dont on se rappellera qu'il était un intime de Moreau, il a construit le programme auquel se réfère de façon implicite le travail de Piranèse. J'entends de façon implicite, non pas qu'il veuille cacher sa source, mais qu'il a retrouvé dans le rapport nature-culture, corps, matière physique, éléments végétaux et éléments construits, il a retrouvé cette dialectique qui est à l'œuvre chez les penseurs des Lumières, qui prépare la naissance d'une, non plus d'une science des antiquités, mais d'une science de l'archéologie. En général, on a de l'antiquité et de ses usages des idées si décousues et si vagues qu'il faut nécessairement commencer par les fixer, au moins quant aux objets essentiels. On est dans l'ignorance parfaite des impressions que le déluge a pu faire sur ceux d'entre les hommes qui ont échappé à ce fléau redoutable. Il faut donc faire connaître avant tout combien cet événement a pu affecter les premières sociétés et en combien de matières il a influé sur leur façon de penser et d'agir. C'est dans ce dessin que j'ai entrepris cet ouvrage. J'ai réuni toutes ces dissertations sous le titre commun de l'Antiquité dévoilée par ses usages. Donc ça répond directement à mon faucon, l'Antiquité illustrée. Et l'usage, c'est donner à l'Antiquité une approche sociologique. On ne cherche pas à établir des chronologies uniquement, on cherche à établir un rapport entre les sociétés qui ont produit les ruines et leur réception. L'œil du physicien a fait remarquer les monuments authentiques de ces anciennes révolutions. Il les a vus gravés partout en caractère ineffaçable. S'il a fouillé la terre, il n'y a trouvé que des débris accumulés et déplacés. Il a trouvé des tas immenses de coquilles au sommet des montagnes, aujourd'hui les plus éloignées de la mer. Il a trouvé des restes indubitables de poissons dans les profondeurs de la terre. Il y a trouvé pareillement des végétaux dont l'origine ne lui a point paru douteuse. Enfin,
Il a trouvé dans les couches de la terre qu'il habite des ossements et des restes d'êtres animés qui ne vivent aujourd'hui qu'à sa surface et dans les eaux. Donc, le texte de Boulanger, qui est un peu en quelque sorte gêné par la suite de ces interprétations qui sont un peu mal fondées, il annonce tout un programme qui est celui des antiquités de la nature et des antiquités humaines. Et ce programme, il recoupe celui de Piranèse. Et quelqu'un qui l'a très bien vu, comme souvent les poètes, c'est le fameux poème d'Etzensberger. J'ai eu la chance de le découvrir quand avec Christophe Pomian, nous étions à l'Institut Getty de Los Angeles, et où il faisait une de ses visites. Archéologie, une notion nouvelle en Europe, une nouvelle folie. Le passé est sauvé, mis à sac. L'Antiquité est une utopie. Elle est tirée de terre et reproduite. Les touristes achètent des copies. Le classicisme construit les ruines de l'avenir. Notre artiste fait le commerce d'Antiquité. Il a publié un catalogue, vases antiques, tronçons de colonnes, trépieds, lampes à huile et ornements. Hors de la carrière de l'histoire, s'écoule une multitude de faux. Vous voyez, Etzensberger ne prend pas parti. Il considère la révolution archéologique comme l'avènement d'une nouvelle période dans laquelle le vrai et le faux se combattent, la partie et le tout, le fragment et la totalité. Et de cette vision, eh bien, il tend un miroir, et ce miroir, il est déjà en action dans la théorie moderne des ruines, dont je pense, à travers les réflexions de Marguerite Yourcenar, de Fossillon et d'Etzensberger, qu'elle est liée au dispositif de la modernité archéologique. Mais Volney va donner aux ruines un rôle politique que Diderot n'avait pas prévu, et Chateaubriand va leur donner un rôle moral. Et ce rôle politique et ce rôle moral, vous n'avez cessé, au cours de ces conférences, d'en trouver des parties. Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux. C'est vous que j'évoque. C'est à vous que j'adresse ma prière. Oui, tandis que votre aspect repousse d'un secret effroi les regards du vulgaire, mon cœur trouve à vous contempler le charme des sentiments profonds et des hautes pensées. Combien d'utiles leçons, de réflexions touchantes, de fortes, n'offrez-vous pas à l'esprit qui sait vous consulter? Et ça, c'est la fin est vraiment fondamentale. C'est vous qui, lorsque la terre entière asservie se taisait devant les tyrans, proclamiez déjà les vérités qu'ils détestent, et qui, confondant la dépouille des rois avec celle du dernier esclave, attestait le dogme de l'égalité. C'est extraordinaire ce retournement idéologique, cet usage de Sénèque pour prôner la révolution sociale. Mais ça, c'est le courant, je dirais, positiviste, révolutionnaire, mais le courant, je dirais, conservateur de Chateaubriand ne fait pas moins pour les ruines et ne se situe pas plus loin des ruines que Piranèse. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Ainsi, les ruines jettent une grande moralité au milieu des scènes de la nature. Quand elles sont placées dans un tableau, c'est en vain qu'on cherche à porter les yeux d'autre part. Ils reviendront bientôt s'attacher à elles. Donc, ça reprend en le moralisant et en le christianisant le discours de Diderot. Mais ça part de la même observation. Les gravures. Et je ne résiste pas à conclure l'expérience archéologique de Chateaubriand dans son rapport avec Piranèse par la description par Chateaubriand lui-même des fouilles qu'il entreprend quand il est ambassadeur à Rome à Tor Vergata. Tor Vergata est un bien des moines situé à une lieue à peu près du tombeau de Néron sur la gauche en venant de Rome dans l'endroit le plus beau et le plus désert. J'y ai commencé une fouille. J'étais accompagné d'Hyacinthe, c'est son secrétaire, et Visconti, le fils Visconti, dirige la fouille. Il faisait le plus beau temps du monde. Une douzaine d'hommes armés de bêches et de pioches qui déterraient des tombeaux et des décombres de maisons et de palais dans une profonde solitude offraient un spectacle digne de vous. J'ai mis moi-même la main à l'œuvre. J'ai découvert des fragments de marbre. Les indices sont excellents. J'espère trouver quelque chose qui me dédommagera de l'argent perdu à cette loterie des morts. Vous trouvez cette extraordinaire auto-ironie de Chateaubriand et qui s'exprime d'autant mieux dans cette gravure qui représente Chateaubriand en train de visiter la fouille.
Pourquoi veux-je conclure là-dessus ? Parce que cela fait partie de l'appel au terrain, de l'appel à la matérialité des constructions et leur enracinement dans le sol. Et cet appel, il traverse toute la dynamique pyrénéisienne, si fortement qu'on la retrouve dans un texte injustement oublié, mais qui me paraît fondateur de l'esprit moderne, qui est le rapport à la Convention de Le Grand Dossier, qui dit ceci, qui s'intéresse aux anciennes sépultures nationales et des ornements extérieurs qui, en divers temps, y furent employés sur les embaumements, sur les tombeaux des rois francs, dans la ci-devant église de Saint-Germain-des-Prés, et sur un projet de fouille à faire dans nos départements. Et Le Grand Dossier continue. Oui, sans doute, et c'est ce que je viens demander pour elle, la justice, je vais proposer d'ouvrir les tombeaux. Ce projet, je le sens, exigera de moi, pour n'être pas rejeté, les discussions préliminaires. Avant d'indiquer et de solliciter les travaux, je dois préalablement prouver qu'ils ne seront pas infructueux, et par conséquent, j'aurai à parler du mode de sépulture en usage chez nos pères, des rapports qu'il eut avec ceux des nations de la plus ancienne Europe, les motifs qu'ils introduisirent, etc. Je dis chez nos pères, parce que mon dessein n'est nullement de m'égarer dans les généralités. Donc, Piranèse, conscient ou non, à part sa stratégie documentaire, la façon dont il a créé un système d'explication et de renvoi aux œuvres, ouvert un champ. Et dans ce champ, ont convergé les antiquaires du nord de l'Europe, les antiquaires de Rome, et, je dirais, la notion moderne de ruine, telle que nous la connaissons. Je m'arrête là. S'il y a des questions, si nous avons le temps, je suis à votre disposition, bien sûr. Ça nous verrons plus. Bonsoir. Je voulais vous demander s'il y a la possibilité d'établir quand quelque chose devient en ruine. Quand un objet devient en ruine, quand on peut considérer que quelque chose est devenu en ruine. S'il y a un commencement dans l'histoire, dans la littérature, mais aussi psychologiquement pour nous, quand quelque chose devient en ruine, et aussi si je peux faire un commentaire. Je peux poser une autre question. Je voudrais demander qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation politique de la ruine. Par exemple, je pense à le fascisme en Italie, à la transformation urbanistique de Rome par rapport à les anciens monuments, la transformation aussi de quelque chose comme des nouveaux monuments modernes, comme l'Euro, comme le Trolétaire, etc. Merci. Donc, sur le rapport entre, je dirais, le sentiment du bien et les ruines, il y a cette ambiguïté. C'est-à-dire que la ruine est à la fois... Vous avez une tradition de la ruine qui est celle du désert, de l'abandon. Ça, c'est la vision, je dirais, mésopotamienne des ruines. Quand tout, plus rien ne va dans une cité, les murs commencent à bouger à cause des tremblements de terre, les canons éclatent, les dieux quittent la ville, il n'y a plus qu'un long poème, un poème d'Our, sur le fait que la cité est morte et plus rien ne subsiste. Donc ça, c'est la ruine violente. Mais de l'autre côté, il y a la ruine source d'attraction, de repos. Alors, on a l'impression que c'est une catégorie occidentale. C'est certainement quelque chose les Lumières, enfin la Renaissance d'abord et les Lumières ont développé. Mais je peux vous citer des poésies arabes ou des poésies chinoises qui montrent cette même curiosité pour un passé domestiqué. Par exemple, dans la Chine des Song, les hauts fonctionnaires, quand ils se rendent d'un poste à l'autre, dans cette immense Chine, ça dure des mois. Et pour faire passer le temps,
Ils font des promenades archéologiques, ils créent des jardins, les jardins du général Lee, les jardins de l'administrateur Chou, etc. Donc il y a dans la ruine la même ambiguïté qu'il y a dans le regard du passé, c'est-à-dire le passé avec les guerres, la terreur, etc., mais le passé aussi de moments qui étaient des moments, je dirais, de satisfaction, des moments de découverte. Donc cet équilibre, il apparaît toujours instable. Et il y a un commentaire du Talmud que j'aime bien, dans lequel un rabbin déclare « Je veux me recueillir ». Et il va dans des ruines, on est à Jérusalem, pas dans les ruines du Temple. Il est interdit d'aller dans les ruines du Temple, mais on peut se promener. Et le rabbin commence à prier. Puis brusquement, une voix tonnante lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je prie. » C'est la voix du prophète, le prophète Élie. « Mais pourquoi tu pries ici ?»« Parce que sont dans les ruines. »« Imbécile, lui dit le prophète, t'as besoin d'aller dans les ruines pour prier ?» Vous voyez cette ambiguïté. Donc ça répond mal à votre première question. Et la seconde, vous l'avez vu dans l'interprétation de Volney, et vous l'avez déjà chez Diderot, les ruines sont un outil politique. Et elles sont un outil politique dans la cité grecque, avec les lois de bannissement. Donc c'est les noms, ils sont bannis, c'est même les traces. Il y a un passage de Thucydide dans lequel il nous montre l'érosion organisée d'une cité pour éviter que cette cité laisse des traces. Et rappelez-vous, tout le monde parle du culte des ruines de la Révolution, et rappelez-vous quand même le décret de la Convention qui dit « Lyon s'est rebellé contre l'autorité populaire de la nation, Lyon sera détruite, pas une de ces maisons ne subsistera ». Et quand nous lisons l'histoire de la Révolution, nous pensons à l'abbé Grégoire qui dit exactement le contraire, qui dit « Les barbares et les tyrans n'aiment pas les ruines, et nous, les hommes de la Révolution, nous les protégeons ». Donc là encore, l'ambiguïté. Et puisque vous me posez cette question de l'utilisation politique des ruines, j'ai eu l'occasion de parler avec un ambassadeur italien en Afghanistan qui, au moment de la naissance du mouvement taliban, s'était préoccupé des Bouddhas de Bamiyan. Il avait organisé une réunion avec un certain nombre de chefs talibans pour leur dire, vous savez, vous avez les opinions que vous avez les croyances que vous avez, mais ces Bouddhas sont là depuis très très longtemps, et il ne faut pas y toucher. D'ailleurs, il y a des textes, il y a des sourates qui disent qu'il faut protéger les ruines. Et les talibans ont dit « Ah, merci, merci !» Et puis, quelques jours après, ils faisaient sauter les Bouddhas. J'ai eu l'occasion de lui parler encore hier à ce monsieur, il me dit ça entra toute ma vie, il avait cru bien faire. On ne sait jamais. Sinon, faccio fatica a sentire. Okay. Si. Mais je voudrais savoir ce que vous pensez entre, vous avez parlé des ruines de l'histoire, mais vous avez montré aussi la ruine du temps et la ruine naturelle. Alors en 1755, les tremblements de terre de Lisbonne avaient un très grand éclat en Europe tout le temps. Et dans la littérature aussi scientifique, mais aussi dans la pensée commune en Europe. En Italie aussi, il y avait des personnes qui écrivaient des pamphlets sur le tremblement de terre, sur les raisons scientifiques du tremblement de terre. J'ai toujours pensé que les Pyrénées étaient un peu frappées par la question de Lisbonne et la une grande ville, une grande métropole comme Lisbonne, c'était
beaucoup plus grand que Rome, c'est plutôt des villes de métro plus grandes de l'Europe. Et, mais ça, c'est une chose un peu à côté ambigu, comme vous dites, c'est la ruine moderne. Et, mais il y a une fascination pour ça aussi. Parce qu'il y a, ce que nous, aujourd'hui, on appelle pas en ruins. Les gens qui vont visiter les sites de destruction massive, qui vont à Hiroshima, les gens qui vont sur, et même dans des endroits interdits, comme le site japonais ou le site ukrainien. Donc, il y a toujours eu cette double dimension de la ruine, qui est la dimension esthétique et la dimension de l'autre, et la peur et l'angoisse. Et effectivement, le tremblement de terre de Lisbonne, Voltaire et les pages qui en ont. Il en a écrit, ça a été vraiment l'idée où, de la prise de conscience de la fragilité de du rapport de l'homme au monde. Et le vers de Lucrèce que je citais tout à l'heure, c'est Fiat mundi confusa ruina. C'est le dernier vers de la série des tremblements de terre. Le monde tombe d'en haut, le monde tombe par le bas, tout éclate. Fiat mundi confusa ruina. Donc, je pense que on ne peut saisir le champ des ruines que dans un système d'opposition où chaque culture, à un certain moment, trouve un équilibre instable. Et que cet équilibre varie face à des catastrophes majeures qui sont acculturées, comme celle de Lisbonne, ou face à la compréhension de plus en plus intime, comme nous le voyons chez Boulanger, du rapport entre les ruines de l'histoire. Vous vous souvenez de la péroraison justement de Diderot après son commentaire d'Hubert Robert, qui commence à dire il y a deux sortes de ruines, l'une est faite du temps, l'autre est faite des hommes. Et on retrouve ça mot pour mot chez Chateaubriand. Donc la pensée de la ruine, c'est la pensée de la fragilité, du combat qu'il faut mener pour l'entendre, mais aussi la conscience que derrière les ruines récentes ou derrière les ruines apaisantes, comme dit Chateaubriand, il y a ces ruines de la nature qui témoignent de millénaires de révolutions. Et donc, une société dans laquelle il n'y a pas de... On est avant l'Anthropocène. Il n'y a pas de vision de l'humanité. Moi, j'avais une question... merci beaucoup. J'avais une question plus personnelle, peut-être pour conclure, qui était de vous demander si vous regardez aujourd'hui le monde contemporain, la façon dont il se construit, en s'interrogeant sur les ruines qu'il donnera à l'avenir, et si oui, comment vous voyez ces ruines? Alors, c'est un problème compliqué parce que, dans le fond, quand les Égyptiens regardent, les souverains égyptiens regardent leurs prédécesseurs, déjà au deuxième millénaire, ils disent, moi, le pharaon Intel, j'ai reconstruit ce temple qui était en briques, je l'ai reconstruit en pierre. Et ce modèle de la concurrence des souverains, c'est intéressant parce que dans le monde égyptien, c'est la concurrence, je dirais, qui va vers le mieux. C'est-à-dire qu'on est en face d'une situation archéologique, on va la transformer pour montrer la grandeur du souverain. Chez les Babyloniens, c'est différent parce que, à cause de la terre de la brique, les palais babyloniens ne durent pas plus de 40 ans. Donc, qu'est-ce qui conserve la mémoire des palais? Eh bien, c'est les briques inscrites. Et donc, on va chercher les briques. Et les souverains, surtout au premier millénaire, ils disent, je suis un grand roi parce que j'ai fouillé le sol et j'ai trouvé l'inscription de création de ce temple que mes prédécesseurs avaient très longuement cherché et n'avaient pas trouvé. Donc le passé comme un révélateur, mais vous voyez, il peut l'être dans la concurrence, il peut être dans la conscience du passage du temps. Alors maintenant, si vous me demandez où nous allons, je n'ai pas d'antenne plus aguerrie que quiconque, mais on peut, c'est un problème devient maintenant général, de trouver un équilibre entre, je dirais, nos équipements et leur longévité.
Je vous donne un exemple. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Getty à Los Angeles. J'y suis allé avant la construction de Richard Meyer. Donc je trouve qu'il est très belle. Mais la construction de Richard Meyer, elle est faite, en plus de une curielle de citations d'architecture orientale et occidentale. Donc vous trouvez un mur oriental, vous trouvez un mur grec, vous trouvez un mur romain, dans une esthétique parfaitement maîtrisée. Mais ce qui ne va pas au Getty, c'est qu'on a construit de pied en cap ce bâtiment extrêmement fonctionnel et coûteux, mais qu'on n'a pas du tout pris en compte la dimension écologique. Donc pour que le Getty fonctionne, il faut une centrale de froid si violente que quand vous allez dans la bibliothèque, on vous donne une espèce de police pour pouvoir entrer dans les réserves. Parce que sinon, on n'arrive pas à maintenir le frais nécessaire à la conservation des livres anciens. Et donc là, on se dit, mais comment ces centres le plus attirant du monde, créés avec le maximum de moyens, on a cherché le meilleur architecte. Et alors, moi, ça me fait rigoler, parce que quand vous entrez au Getty, vous verrez que les autorités de Californie ont délivré au Getty un certificat comme construction écologique. Et bien, allez dans la bibliothèque et vous verrez qu'il n'en est rien. Donc, ça pose ce problème. Alors, c'était déjà Albert Speer et les nazis, dans une vision qui était rien moins que sympathique, qui disaient, nous allons construire dans le fond, ils retrouvaient une vieille idée égyptienne. Nous allons construire des bâtiments qui seront des pyramides et qui résisteront. Ils n'ont pas vraiment résisté. Mais nos systèmes d'intégration des bâtiments dans la nature, nos systèmes de voies à grand gabarit pour les fleuves, nos systèmes de trains rapides, et je ne parle pas des avions, le constat qu'on peut faire, c'est qu'ils ont un taux d'usure, un taux de réflexion qui est beaucoup plus avancé que celui des générations précédentes. Et quand on parle avec des architectes de l'urbanisme des villes américaines, d'abord, regardez ce qui se passe à Detroit et dans un certain nombre de villes qui sont devenues des ruines simplement parce que les activités économiques sont rétractées, mais en même temps, la façon dans un certain nombre d'endroits aux États-Unis, les bâtiments n'arrivent même pas, je dirais, à utilité. On les construit, ça correspond à une stratégie, à des problèmes économiques, etc. On les dresse, et puis avant même qu'on ait amorti la construction, on les démolit pour en construire d'autres. Donc il y a une accélération évidente de la démographie humaine, et par conséquent, des équipements qui l'accompagnent. Et là, les études et les pratiques de conservation sont, de préservation du bâti ou des équipements sont nuls. Le nombre de barrages qui menacent de céder dans les pays en voie de développement est terrible. Et regardez en Sicile combien il y a de villes mortes ou d'aéroports qui n'ont jamais été inaugurés mais qui ont été construits. Donc c'est un problème massif que. C'est pour ça que la leçon philosophique de Volney et de Chateaubriand, elle est toujours d'actualité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à distance ? Vous m'entendez ? La conférence étant retransmise en direct, on a une question d'un auditeur qui demande « J'aimerais poser une question sur les limites de la notion de perception sociologique de la ruine qui pourrait offrir un contrepoint à la question de la nostalgie à laquelle elles sont souvent associées. Cela me rappelle les poèmes de Pétrarque dans lesquels il utilise l'image du Forum Romanum en ruine comme un appel au réveil de la ville endormie. L'analyse sociologique d'une ruine exige-t-elle un appel à l'action ou un autre type de réponse projetée qui la rend distinctement moderne ? Une vaste question. Regardez, le De Roma de Hildebert de Lavardin. Dans un premier temps, le poète parle à Rome. Et dans un deuxième temps, c'est Rome qui prend la parole. Dans les vers de l'île de mer de Lavardin, Rome reconnaît qu'elle a failli parce que la révélation chrétienne ne l'a pas touchée assez vite. Mais en même temps,
Rome insiste sur le fait que si la révélation chrétienne abolit les ruines, alors c'est la civilisation elle-même qui est prise en, enfin, qui est menacée. Donc, d'une certaine façon, Hildebert de Lavardin est à la fois un exégète des ruines et un saint Jérôme médiéval qui réfléchit au devenir. Donc, c'est une réponse rapide que je peux apporter à la question. Et la seconde, elle est liée au fait que, en essayant de faire une excursion comparatiste, je n'ai pas trouvé de civilisation dans lesquelles la ruine n'est pas à la fois, enfin, ne joue pas ce double rôle cathartique et répulsif. Et ça, on le trouve chez les aborigènes australiens, et on le trouve dans un certain nombre de rituels, par exemple, en Afrique moyenne, le problème du lien entre la demeure du chef et la vie du chef. Quand quelqu'un devient, des civilisations de la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un devient chef ou roi, on lui construit une cabane. Mais s'il vient à mourir, la cabane reste autant qu'elle peut durer et elle devient elle-même une ruine. Et ça fait penser, évidemment, et parfois on l'entretient. Donc ça fait penser à la cabane de Romulus sur le Palatin, dont les auteurs anciens nous disent la cabane n'est plus la même puisqu'elle a été reconstruite, mais elle est reconstruite à minima avec les mêmes techniques. Et c'est exactement la problématique du sanctuaire japonais d'Ise. Les Japonais construisent en bois et en paille depuis le 8e siècle, donc le sanctuaire ne peut durer 30 ans. Donc tous les 30 ans, enfin tous les 20 ans plutôt, avant la corruption, on élève un autre sanctuaire en face du sanctuaire existant, on transfère la totalité des objets de culte qui sont dans le sanctuaire numéro 1, dans le sanctuaire numéro 2, et on démonte le sanctuaire numéro 1. Et puis, 20 ans plus tard, on va en reconstruire un, etc. Donc c'est l'histoire de la trière de Thésée aussi. Donc dans les ruines, il y a toujours cet affrontement entre le permanent et l'impermanent, qui, je crois, était au cœur de la question. L'auditeur vous répond, merci beaucoup. D'autres questions? Merci. Bon, merci.